Alors, la question à 1 euro. Comment j'atteins ça? Ça donne l'impression qu'il faut que je tue ce machin, que je grimpe le plus haut possible et que je me laisse tomber sur sur le côté ou je sais pas quoi. Le problème, c'est bien entendu, changer de zone signifie que tous les ennemis sont déjà revenus. C'est logique. Comme ça que ça marche. Da 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 da. Voilà. Donc, là, la principale question, c'est comment est-ce que je peux atteindre de l'autre côté? Donc, oh, je pense qu'on va refaire cette espèce de machin-là qui sert à rien. Bah, donc, c'est cool sur le papier, mais c'est vachement long, en fait. Donc, c'est... Je suis pas convaincu de l'intérêt de faire durer ça à ce point. Le voilà, juste ici, lui. Ah, mais Ah oui, mais il y a une porte. Là-bas. Ok, donc je pense que probablement la porte de l'autre côté me donnera un passage pour l'atteindre. Donc ça sert à rien que je m'embête là, je ne peux pas l'avoir. Et ben voilà un mystère qui est potentiellement réglé. Donc, ouch! Ok, je peux pas dire que les esquives se lançaient pour le coup. 1, 2, 3. Non! Quoique ça fait disparaître tous les ennemis. Non, Seimous, tu peux accrocher. Non, bah non, y a une petite lumière rouge, donc je suppose que tu peux pas. Attends, quoi? Ah si, tu peux. Ah, c'est parce que j'étais pas pile poil au bon endroit, j'imagine. Ben, c'était pas très utile. Ok, je ne veux pas casser ça. Apparemment, c'est de la glace tellement solide qu'il faut vraiment avoir une bonne puissance de feu pour la dégommer. Donc, on va retourner là-dedans. Parce que, au risque de vous surprendre. Hein? Bah, si au moins je voyais quelque chose pendant que je suis dans cette espèce de... Non, ça me fait directement descendre ici, donc il y a quelque chose d'autre que je rate. Zoomer. Qu'est-ce que je manque encore? Hein? Non, c'est juste une. C'est juste des lumières rouges, je m'en fiche. Ok, d'accord. Il fallait que j'attende que ça soit pas en train de souffler, parce que sinon ça m'expulse automatiquement. Logique. Bah, techniquement, ouais, j'avoue, c'est logique.
Cette zone semble être plutôt accueillante. Genre chaudement accueillante. Ah, pour une fois, je me suis pas fait avoir. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh oh! Du calme, coucou. Ah, il est redevenu normal. Bien normal. Ouch. Pour ceux qui se demandent quand je bouge pas, c'est que j'essaye de passer en vue à la première personne, mais... Ah, et bien sûr, quand j'y arrive, il faut qu'il soit bloqué de l'autre bout et qu'il soit pas capable de faire un saut. Vous vous fichez de moi? Je suis là, Coco! Parce qu'apparemment, t'es trop débile pour pouvoir faire le tour. Ridicule. Oh non mais crotte quoi, je me suis mis à l'autre bout pour enfin lui tirer des missiles dessus et oh non. Oh bah non, je suis pas capable de... Je suis pas capable de sauter monsieur, hein, ou juste de faire le tour, je suis bloqué et t'es obligé de revenir me chercher. Mon plan machiavélique. Non, je pense que là j'exagère en essayant de trouver d'autres choses, y a plus rien. Alors, hop. Regardez-les les deux autres derrière. Alors, jamais qu'à force, ils ont fini par bouger, mais j'ai eu le temps de dégommer leurs copains en attendant. Voilà. Oh bah ils courent en ligne droite, là là là. Et ils étaient bloqués par le décor. C'est pratique. Ok, qui d'autre? C'est-à-dire c'est une grande zone, vous allez quand même faire croire qu'il n'y a pas un ou deux autres trucs qui vont vouloir me trucider. Oh salut toi. Au risque de te décevoir, tu m'avais pas vraiment manqué. Pas avoir le rayon de plasma. Oui, vous avez bien vu, la scène s'est lancée deux fois parce que je suppose qu'à cause du sol pas très très plat, ça a pas réussi à charger l'animation correctement. Je suppose. Mes PV repartent bien vite encore une fois. Ouh, un grand mur. Est-ce qu'il va y en avoir un autre qui va venir le casser? Non. Faut que je le casse moi-même. Super missile? Non, là c'est normal.
Bon, ok, d'accord. Je me disais bien que ça donnait un truc relativement arrondi. Ouh, un petit escalier presque naturel et... On est sorti de cet endroit pour arriver dans un autre. Tiens, je me souviens de cette zone aussi. Non, ben non, peut-être pas. Ok, bizarrement, je pense que ça, c'est la sortie. Voilà, enfin. Donc... Tiens, ça faisait longtemps, toi. Et par longtemps, j'entends pas vraiment. Bref, on va les tuer tranquillement parce que j'ai pas le choix, la porte est bloquée sinon. Et maintenant elle ne l'est plus. Donc, par là ça sert à rien, ça c'est pas intéressant. Mais on peut grimper par là, je suppose, pour retourner de l'autre côté, mais... Ou pas! Bien, je sais plus combien il y a de missiles en tout dans ce jeu. Il y en a probablement quand même une cinquantaine, j'aurais dit, ou 75, ou un truc comme ça. Mais je suppose que c'est pas si important que ça. Je peux avoir un point de sauvegarde un de ces jours, un petit soin. Oh, toi encore. T'aurais me donné l'impression d'être vulnérable à mes attaques. Au moins un peu. Aïe. Quoique, il doit être invincible pour qu'il puisse nous faire notre porte, non? Ouch! Pourquoi j'ai l'impression qu'il a été totalement invulnérable et que je lui ai fait zéro dégâts? Ouais, parce que c'est, il est là pour nous faire un petit parcours d'obstacles, j'imagine. Ah, maintenant mes attaques ont un effet. Oh, wow. Gaffe, presque plus de vie. Ouais, il les repousse. Pourquoi je suis tombé? Ah, ça me semblait être parfaitement capable de réussir ce saut, mais je suppose que non. Bon, bah, faut juste que je fasse attention à ma vie. Il y a quelque chose d'autre que je peux faire tomber? Ouais, ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Zut. Qu'est-ce que je suis supposé faire quand il est dans ce mode-là?
Quand tu veux, pépère, hein. Super! Ah! Mode critique! Donc comme vous le constatez, ma santé aussi entre 0 et 1. Et je peux régénérer jusqu'à 99 de santé. Ouais, bien sûr, ça bloque pile poil. Et il fait une espèce d'esquive, je sais pas trop quoi, quand tu tires des missiles. C'est plutôt hilarant, en fait. Ok, là j'ai pris des dégâts en essayant de lui faire une attaque rodéo dans la face. Mais bien entendu, ça ne marche pas comme ça. Donc quoi, je suis juste supposé attendre contre ces ennemis-là. Ce que je veux dire, c'est super passionnant comme style de jeu, tiens. Oh bah maintenant qu'il entre dans sa phase électrique, tu dois attendre une petite... quelques minutes qu'il est fini de balancer des attaques dans tous les sens. Ou alors il faut que je passe en vue à la première personne alors que je suis presque mort. Bah voilà, une petite information, une petite fenêtre d'aide pour dire utilise tel truc ou passe en première, en forme à la première personne ou utilise... Non. Et il est mort. Genre comme ça, il est mort. Il a dû tomber à l'eau ou il a dû faire... Il a dû s'électrocuter tout seul et il a décédé violemment. Ok, je pense pas que je puisse atteindre ça malheureusement. Peut-être que si je m'étais laissé tomber ou je sais pas quoi, vous savez quoi, j'ai pas envie de m'embêter. Ah, on le récupérera beaucoup plus tard. Moi j'ai vraiment envie d'avancer. Mais définitivement, je n'aime pas beaucoup ces ennemis. Surtout le concept du « Ah, tant que t'as pas atteint la bonne phase, ils sont invincibles. » Je veux dire, les tirs, qu'ils soient normaux ou chargés, rebondissent sur eux et ils font une petite toupie pour éviter les missiles. C'est cohérent. Et après ou un certain temps, ils passent en mode électrique et « Vas-y, attends !» Patiente tranquillement. Donc là, j'ai pu me choper mon premier mode critique, ce qui est pas très très cool. Et ouais. Ouais, non. Je pense honnêtement qu'on va s'arrêter là et que je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on continue un peu plus. Ça va être un épisode pseudo court. On va prendre entre 10, entre 20 et 30 minutes à chaque fois. Ça finit par être un peu aléatoire. Mais là, je sais que si je continue, on en a encore pour un quart d'heure et c'est bon, quoi. Prenez ça, vous. Impunité! Bon, peut-être pas. Au revoir. Impunité! Impunité! Bon, d'accord, j'arrête. Je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on continue l'exploration de la cryosphère. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas d'autres objectifs, en fait, que juste explorer la zone. Pour un jeu qui est très basé sur du scénario, ça fait un peu... bizarre, mais bon. Je vous retrouverai pendant la prochaine fois pour qu'on continue l'exploration. Donc d'ici là, ciao. C'est quand même ridicule de nous avoir donné la combinaison pour résister aux températures très élevées et le rayon de glace pour nous envoyer tout de suite après dans la région de glace.